Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal avec une configuration au lendemain donc du chiffre de l'inflation des États-Unis et de la déclaration de la Banque Centrale Européenne et bien des cours qui reviennent ici au contact de cette zone des 6574 points. Alors on est en train de se rapprocher. Ce que l'on peut constater, c'est que la petite phase de consolidation qui a eu lieu est revenue chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle. On a toujours cette moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue sous sa moyenne mobile arithmétique. On est revenu tester donc cette moyenne mobile, donc quelque part le setup ici est respecté, et on repart à la hausse ici en direction de nouveaux plus hauts significatifs, même si ce n'est pas encore effectué. Et bien on peut constater que la dynamique est bien en place. Du point de vue des indicateurs techniques, on confirme d'ailleurs avec les histogrammes du MACD qui sont en train de se retourner à la hausse, hein, c'est à confirmer la clôture de la bougie. Nous sommes ici en unité de temps 4 heures. Le RSI quant à lui continue à évoluer sur un niveau proche de sa zone de surachat mais sans arriver à rentrer dans cette zone. Donc la configuration elle reste haussière, donc au lendemain des déclarations majeures et des chiffres majeurs attendus cette semaine, eh bien on peut constater que la dynamique elle est intacte. On a échoué de nombreuses fois ici sous cette zone des 6574 points, à voir si aujourd'hui eh bien on validera une cassure de cette zone pour clôturer sur un nouveau plus haut historique, puisque je le rappelle, en réintégrant les dividendes dans le CAC 40, eh bien nous sommes sur des niveaux historiques. Donc eh bien aujourd'hui ce que l'on surveillera c'est cette zone 6574 points. À l'inverse, si les cours venaient à consolider, alors on a plusieurs niveaux intermédiaires, on a déjà ce niveau ici des 6540 points, puis ce niveau des 6520 points. C'est sur rupture ici de ce niveau que l'on pourra avoir un signal d'affaiblissement un peu plus fort, mais c'est surtout sur rupture ici de cette zone, voilà, cette zone intermédiaire ici des 6490 points, que l'on aurait un signal de retournement, puisqu'on aurait ici rupture de ces points bas significatifs et contact avec la bande de Bollinger inférieure. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. D'un point de vue macroéconomique, nous avons eu les chiffres du PIB de la Grande-Bretagne ce matin qui sont très légèrement supérieurs à ce qui était attendu. Nous aurons une intervention du gouverneur de la Banque Centrale d'Angleterre à 10h30 et puis cet après-midi, eh ben, pas de statistiques majeures, hein. Tous les chiffres majeurs ont été donnés hier, donc ça risque d'être une séance plutôt calme. Voilà donc ce que l'on peut dire ce matin sur cette configuration. Je vous souhaite une bonne séance, on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.